on tape, là on n'entend rien. À la moitié des gens sur le tap qui te tapent dans les mains. Eh Sylvain, est-ce que tu veux que je les fasse crier de mon côté? Pour que les autres se rendent compte à qui ils ont affaire. La meute, attention. Attention, 1, 2, 3, faites du bruit. Ils sont chauds, ils sont partis. Voilà, ça commence déjà, hein, y'en a qui comprennent très vite. Attention, on va remonter à bleu. Allez, allez, les gars. Allez, t'es obligé d'aller à fond jusqu'en haut, t'as pas le choix. Eh ben on y va alors. J'arrive plus dessus, moi. Ça, facile, c'est exactement le mot que je cherchais, facile. Le vent dans le dos. Ouais. Alors, heureux. Toujours. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Bon, à peine sorti du camping là. C'est comme ça. Ah oui, c'est pas retenté. C'est je sais, j'ai compris là maintenant, là j'ai compris. C'est plus long. Allez Camille.
Allez, ouais, ouais. Ça se passe bien. Nickel. Gauche, pareil. Il a tourné en 18,54. J'ai perdu un tout petit peu de terrain sur les pistons de la Salle, puisque le dernier tour des pistons de la Salle, c'était 18,35. Hey Pascal, chop chop. Alors Elodie, comment tu trouves le parcours cette année? Parfait, mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière, c'est vrai? Ouais, sympa, ouais. Parce que bon, tu... les côtes, je suis pas fan, mais... Ouais, tout le monde nous dit que c'est plus dur. Oui, ouais, je trouve aussi qu'il est un petit peu plus dur. Un petit peu plus dur. Mais bon, après, c'est bien de changer parce que... Oui, c'est pas tous fait. Les ans, la même chose. Et alors là, vous êtes en duo ou... Non, on est toutes les deux en solo, je l'ai entraîné avec moi. D'accord. Bien joué. Encore vous ? Eh oui ! Passe à gauche ! Bah, bien. Bien. Ouais. Tranquillement. Combien de tours? Mais sûrement. Je sais pas. Tu comptes pas? Je sais pas. Tu roules. Je suis presque à 60 km. Je vais essayer vite fait quand même. Je vais aller faire un test, que là on a pas l'abri. Je vais aller faire un test dans le bois là. Tu sais. J'ai entendu. Non. Qui a dit qu'elle danse? C'est madame qui a... J'ai entendu par là. C'est où? Il y a Carbo au Polo. Carbo aussi. Allez, coucher de soleil les gars. Le casque, super.
Bonjour Denis. Encore une super édition avec un joli temps. Oui. Ouais, très beau. Et puis voilà, on est encore bien. La preuve, on est encore là aujourd'hui. Et ouais, à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. 2024. J'espère. Ouais, j'espère. Bah, nous aussi. Allez, bonjour. Tu vas bien? Oui. C'est un petit oui. Ouais. Dis-moi le petit déj. Oui, ça y est, il est ouvert. Ah oui? Alors, explique-moi si tu peux encore respirer. Bah en fait, du coup, pour les 24 heures de Normandie, il y a l'initiative de parrainer Nathan, qui ouais. atteint du syndrome de la MCTT. C'est un trouble très rare. Il y en a 25 dans le monde. Ouais. Donc c'est des symptômes et des pathologies très lourdes. Et j'ai voulu faire un peu comme mon confrère Ludovic Vautier, oui. qui fait ça avec Adèle. J'ai trouvé l'idée géniale. Et du coup j'ai contacté du coup la maman de Nathan. Ouais. Ses parents et du coup on s'est mis à organiser cela pour les 24 heures. Donc on a créé une cagnotte dans le but qu'il effectue ouais. une thérapie. D'accord. Et ben c'est c'est une belle initiative. Merci. Pas facile de conduire d'une main, il y a des bosses. Ça m'évitait de faire ça dans un but personnel, ça fait. Ouais. Ça motive d'autant plus. Et c'est depuis quand alors? Ça fait deux ans, non? Ça va faire depuis début du printemps qu'on a mis ça en place. Donc cette année, j'étais un peu pris de court avec le travail et tout ça. Mais pourquoi pas l'an prochain réitérer dans de meilleures conditions. Ouais. Et puis pouvoir apporter un petit quelque chose à Nathan, parce que c'est un petit bonhomme qui le mérite. Ah oui, je l'ai vu hier, oui, effectivement. Je peux bien me battre pour lui pour une journée, ouais. sachant que lui il se bat tous les jours. Je trouve que c'est le minimum des choses, plutôt que de faire ça dans un but purement personnel en fait. Ouais. Voilà. Bien. Super, bah écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci, sur moi les 24 heures. Super organisation comme chaque année. Ouais, merci. Vous êtes génial. C'est gentil, merci. Oui, avec le petit rajout là. Ouais, on sent bien la différence. Oui. Surtout le dos. Surtout quand on le rouvre au petit matin. Ouais. Un peu plus tard, ça aurait été bien. Ouais, mais... On a de la chance. Donc, on a un beau soleil. Une belle vue. On est bien. Ouais. Belle lumière. C'est vrai. Allez, bon courage. Merci, bonne journée. Je vais te rattraper.
Comment ça va? Ça va. Pas trop dur? Bien dormi? Non, pas du tout dormi. On commence à sentir la fatigue dans les jambes. Oui, oui. Oh, ça se termine. Tu dis un peu. Ouais. Ça tire un peu, hein? Oui, j'imagine. Ouais. C'est pas cool ce que vous faites là. Je le fais pas avec tout le monde. Je le fais qu'avec les meilleurs. Oh, mais ça met un peu la pression donc du coup. Un peu ouais. Non mais tu t'arrêtes quand tu veux. Ça commence à piquer la côte là. Il y a une belle lumière, je profite de la belle lumière. C'est moi la lumière. Oui. Tout va bien? Nickel! Hein? Pas de... très sympa, bonne ambiance, il était beau. Royal quoi. Ouais. On en redemande. Rendez-vous en 2024? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais, bah... ouais, bah, pour... elle croise. Ça aussi c'est une double victoire, bravo. Dans la même seconde également, elles ont roulé 24 heures ensemble. Adèle, explique-nous un petit peu quel était ton but. Tu es venu bien sûr à participer à cette course parce que tu es passionné, bien sûr, c'est ton sport favori, je suppose. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je crois que comment ça se passe à chaque tour, il y a un sponsor. Explique-nous un petit peu quel est le but de ta démarche. J'avais déjà fait l'année dernière, donc il y a une cagnotte Vicky qui vole. Mais j'ai deux entreprises, donc mon employeur didactique, que je remercie forcément, et Ingex, avec Yann Henry, qui était là tout à l'heure, c'est un VTPiste, et eux me finançaient au kilomètre parcouru. Donc plus je roulais, plus j'accumulais des dons. Quoi. Et tu sais combien de kilomètres tu as parcouru? 261 kilomètres. Dans la petite Adèle. C'est une super initiative, hein, il était pas seul, je ne sais pas si il est pour Nathan et dans le coin, c'était pour un petit garçon cette fois-ci, vous l'avez compris. Et là, viens, je ne sais pas, il est où? Il est là, il arrive. Il est là. Allez, viens. Vous pouvez l'applaudir aussi, il va venir nous rejoindre. Allez, l'escalier est terrible, comme on aurait pu descendre, mais pour que tout le monde le voit. Voilà. Alors toi c'était pour Nathan, c'est ça? Tout à fait. Alors qui est Nathan? Ben, il... Ah mais il est là, ah, ben, c'est encore mieux, je sais pas. Le petit Nathan est avec nous. Et donc tu courais pour lui dans le même état d'esprit, je suppose. Tout à fait, comme Ludovic, j'ai fait comme mon confrère. Et ça fait longtemps que tu fais ça comme Ludovic? Non du tout, on s'est mis à partir de février, on s'est contacté. Et vous êtes la maman, je suppose. Fait. Et ça fait chaud au cœur de savoir comme ça qu'il y a des sportifs qui ont envie d'aider comme ça en pratiquant leur sport et puis aider votre petite puce. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il a 6 ans, et bien je sais pas s'il se rend compte, mais il a vraiment bien sûr des hommes généreux, plein de cœur autour de lui, avec une maman souriante en plus. Je voudrais qu'on les applaudisse. Et
tous. C'est vraiment une super initiative. J'espère que vous serez là l'année prochaine avec grand plaisir. Ce sera l'occasion plus fort à les applaudissements.